Vous êtes sur RTL. Allez plus haut. Allez plus haut. Tina Arena, c'est pas elle qui va faire du saut à la perche ce soir, c'est Mondo, c'est son surnom. Armand Duplantis peut-il aller encore plus haut que ses 6 mètres 18. Eh bien, c'est la question que tous les amateurs se posent alors que le jeune perchiste suédois participe ce soir au meeting de Liévin dans le Pas-de-Calais. À seulement 20 ans, il vient de battre le record du monde, vous l'avez dit, pas une fois, mais deux fois en une semaine. La première fois en franchissant une barre à 6 mètres 17, la deuxième en sautant un petit centimètre plus haut. 18. Exactement, vous êtes très bon en mathématiques. Antoine Decarne, vous êtes... Antoine Decarne, vous êtes à Liévin pour RTL. Alors Armand Duplantis peut-il réitérer son exploit ce soir ? Eh bien, c'est ce dont tout le monde rêve ici à Liévin. L'aréna affiche complet ce soir, 5000 personnes venues pour lui et rien que pour lui. Armand Duplantis, c'est vraiment la nouvelle star de l'athlétisme. Il a 20 ans et il a un record du monde, une légende. Félix, il vient que pour lui même, on y croit. C'est une grande vedette et on a la chance de l'avoir à Liévin. Trois records du monde en deux semaines, c'est Boubka l'a fait, c'est qui va le faire. Car Liévin a déjà vu un record du monde de la perche. Le tsar Sergueï Boubka avait fait 6 mètres 13, c'était en 1993. Et Valentin rêve de pouvoir assister à une telle performance aujourd'hui. Voir Armand Duplantis dans son état de forme actuel, c'est un truc génial. S'il peut améliorer son record du monde, ce serait incroyable, quoi. Ce serait vraiment un truc de fou. Et c'est ce qu'espère Philippe Lamblin, l'organisateur du meeting. C'est le nouveau Bolt. S'il vient là, c'est pas pour la figuration. Je pense que ses limites doivent situer un peu au-dessus de 6 m25. Est-ce que Armand va battre le record du monde ? Rendez-vous à 23h. En tout cas, Armand Duplantis est prêt et a annoncé vouloir franchir 6 m19 pour battre à nouveau le record du monde. Antoine Decarne pour RTL.